هلا بالمعلم صباحا خلص شيل الماسك ما بقى فيه كورونا خلصت Alors j'espère que vous allez profiter pendant cette pandémie pour les mettre. Merci. Merci tout le monde d'être ici. Merci aux journalistes. Merci à tous les citoyens et citoyennes qui sont engagés pour la justice. Alors je tiens à rappeler en commençant qu'on est sur un terrain, la métropole est un territoire autochtone non cédé. Alors que nos sociétés sont aux prises avec une crise sanitaire, nous saluons le travail, le courage,
des travailleurs et des travailleuses de la santé qui vivent des conditions de travail qui sont très difficiles, qui engendrent du stress sans parler et qui violent même les conditions, qu'on voit même leurs conditions de travail se détériorer. Dans un contexte où les voix populaires s'élèvent contre le racisme systémique, le profilage racial, les violences policières, contre la réforme du PQ pour la régularisation des statuts de travailleuses et des travailleurs essentiels en première ligne. Nous solidifions notre voix, nous sommes solidaires avec leur voix. Alors maintenant, j'aimerais demander à tout le monde de prendre un moment de silence pour les victimes de la brutalité policière. Merci. Eh oui, déjà un an s'est écoulé. Une année de trop. Je me souviens. Je me souviens le jour de l'adoption de la loi, de projet de loi. Quand M. Legault s'est félicité, il a dit « Les Québécois ont enfin vu le jour d'une loi et on va terminer, on va arrêter ». Le débat sur la laïcité. Ah oui, on est là pour lui prouver que c'est pas terminé, Monsieur Legault. On est là et on va être dans la rue et on a des poursuites judiciaires jusqu'à l'annulation de la loi de la laïcité, soi-disant la loi sur la laïcité, qui prive des minorités déjà discriminées de leurs droits. On est dans un état de droit, on est dans un pays de droit, dans une province de droit. Et M. Simon Jolin Barrette, lui, il a dit, c'est toute la première fois que de notre histoire législative que ça sera distinct dans nos lois de l'État québécois et laïque. Ah, et non, M. Simon Barrette, tu n'auras pas ce plaisir. Il y a plus que 5 poursuites judiciaires et nous croyons en notre système juridique. Je rappelle encore une fois, c'est quoi la loi sur la laïcité que notre cher gouvernement nous a imposée? C'est une loi qui interdit le port des signes religieux à tout nouvel employé de l'État en position d'autorité, y compris les enseignants. L'usage des dispositions de dérogation prévues aux chartes québécoises et canadiennes des droits et libertés permettra d'éviter les contestations. Pour éviter, il a adopté une loi sous bâillon. La coalition Inclusion Québec et 5 autres groupes de défense de droits et 2 syndicats, ils ont tenté des poursuites judiciaires contre cette loi. Alors ça en dit long. Monsieur Legault, la nation québécoise est plurielle. Elle est divisée au sujet de cette loi. Un conflit politique n'est pas un conflit entre des droits et encore moins en raison de légitimiser et bafouer des droits des minorités. La loi 21 ne protège pas l'identité québécoise. Elle est plutôt, et elle est créée pour faire du profilage religieux et racial. Particulièrement les femmes. Bravo. Alors, on va commencer par le point de presse, par une déclaration qui va être en anglais. Justice Femmes va faire une déclaration avec l'état de la situation sur le terrain, avec des chiffres qui sont frappants. Et après ça, il va avoir une étude qui a démontré des témoignages anonymes de ce que ça a fait, cette loi-là. Merci. Alors, je vais céder la parole au coordonnateur du comité non à la loi, Ihab Lotayev. Once again,
We thank all the healthcare workers that have been taking the brunt of this battle against COVID-19. We thank the media that is being here to cover us, and above all, we thank you all for coming here to support this very important anniversary of the passing of Law 21. And I reiterate as well that we are here on unceded land of the Ganigahaga Nation, and we recognize that, and we commit to do our best to deliver this land to future generations in a better form than what we received it ourselves. Everything is connected. What happened over the past weeks, the lives of George Floyd, Rodney Levy, Rayshard Brooks in Atlanta, those lives that were lost did not start this month, this year, or this decade. The beginning is hundreds of years ago. Laws that made blacks and native people second class or no class citizens are the root of what we are witnessing today, what we are rising up against today. Even after these laws may be no more on the books, they remain a part of the popular culture for decades. And even after they disappear from mainstream culture, they still remain for a long time in the system and in some people's hearts and minds. Maybe that lasts for generations. This is what we are witnessing today, what we are rising up all across the world against today. But at the same time, as we are doing this, we are witnessing the start of another cycle, a cycle that is starting from the top. From Trump, from Bolsonaro, from Legault. Yes, right here in Quebec. The premier denies the existence of systemic racism. And at the same time, he is legalizing systemic discrimination. Yes, I admit, Muslims are not being killed on the streets of the world, at least not in North America today. Not in Quebec, not in New Brunswick, not in Georgia, not in Minnesota. But we are witnessing, unfortunately, the roots of what can lead to that killing in the future. And what are we doing about it? We have to continue standing up so that that does not happen, so that future generations do not tell us that we could have acted and we did not. The fight against Loi 21 here today will save lives, maybe in 2050, maybe in 2090, if we stand the course and stand together. Or it could be the reason for the loss of those lives if we falter. The fight of rights and equality is not for a certain group and not against a certain group. We are not equal except if we are all equal. This is why we should understand Black Lives Matter correctly. It never meant and never was intended to mean that only black lives matter. It means that black lives also matter. Equality matter. It means that when the victims are black, we rise up together and say black lives matter. Yeah. When natives are targeted,
We shout at the top of our lungs, Native lives matter. And when we fear for any group, we stand up and assert that all lives matter. We are here today to say that the fight against systemic discrimination will not stop. We are here to say that we are going to continue our work till Law 21 is repealed, until the Quebec Charter is restored to what it was before that dark day of June 16, 2019, and even to expand it to increase the protection for each and every one of us and each and every one of the coming generations that will live in this province and on this land. We all stand together. I will not list colors of skin. I will not list backgrounds. I will not list beliefs. It is just simply all of us together as human beings. We will stand together as human beings who believe that one injustice against one person is one injustice too many. And we will not live while it's happening. It's not by how many are affected. One person being affected is one person too much. And we will continue to say that till it ends. We will continue to fix what Monsieur Legault has broken a year ago this week and to make it even better in the future. Thank you very much for your time. Thank you for being here once again. Maintenant, je vais parler au nom de Justice Femmes la déclaration suivante. La loi 21, c'est une loi d'interdiction, avalise et renforce les préjugés déjà courants car elle réduit le jugement de certaines personnes à leurs croyances religieuses, uniquement parce qu'elle en porte les signes. Or, des exemples d'exercices discriminatoires par des personnes en situation d'autorité ne portant pas de signes religieux sont bien documentés. Justice Femmes recense depuis des années de nombreux exemples de profilage racial, social et politique qui sont à l'œuvre des forces policières qui font justement partie des catégories d'emploi qui sont visées par la loi 21. La loi a ouvert la porte à un pouvoir arbitraire de la part de ceux et celles qui sont chargés de faire respecter la loi et a occasionné des dérives. Chaque personne se croit autorisée à interpréter à son tour ce qui est un signe religieux et s'en prendre aux personnes qui le portent. Cette loi est une manifestation, ce qu'on appelle, du racisme systémique. En effet, le racisme systémique repose, entre autres, sur un ensemble de règles ou de pratiques formelles ou informelles qui peuvent être neutres en apparence et sans intention raciste, mais qui désavantagent dans les faits les personnes racisées. L'interdiction du port des signes religieux, bien qu'elle vise tous les groupes religieux, a néanmoins un effet beaucoup plus grand sur certaines minorités visibles, qui sont déjà racisées. Dans la religion, peut supposer des pratiques visibles, minorités qui sont d'ailleurs souvent déjà affectées par d'autres formes d'exclusion en matière d'emploi, de santé, d'éducation et de représentation. La loi 21 entretient et renforce le système systémique, le racisme systémique. Justice Femmes a constaté une augmentation anormale des incidents et des criminels ainsi qu'une détérioration du climat social. Elle a reçu un nombre très inquiétant de plaintes et d'appels depuis le dépôt du projet de loi, allant des regards méprisants, des agressions verbales, passant par la discrimination à l'embauche, passant par le harcèlement au travail, allant jusqu'à l'agression physique. Justice Femmes a répondu à dénombrer plus de 300 cas. Je vous illustre juste une petite partie. Plus que 60 cas de cyberintimidation, dont plusieurs ont volontairement enlevé leur photo de profil qui porte le hijab. Ça, c'est des cas qui ont été rapportés à Justice Femmes. Alors imaginez ce qu'on ne sait pas derrière les écrans. Une cinquantaine de femmes enseignantes portant le hijab se sont fait discriminer à l'embauche par plusieurs commissions scolaires de la grande région de Montréal. Des enquêtes et des dépôts de plaintes seront déposés par Justice Femmes à la Commission des droits de la personne pour motif de discrimination à l'embauche.
Une trentaine d'enseignants qualifiés portant le hijab ont juste renoncé à la recherche d'emploi comme enseignantes, dont plusieurs vivent des dépressions et qui prennent déjà des médicaments depuis l'adoption de la loi 21. Une quarantaine de cas de refus d'emploi, dont 15 en petite enfance, en raison du port du hijab, sont pas touchés par la loi 21. 10 cas d'harcèlement et d'intimidation au travail, soit par des collègues ou par des supérieurs. Commençons par une simple question. Quand la loi va passer, tu vas être obligé et tu vas ressembler à tout le monde. Est-ce que c'est ton mari qui t'a obligé à le porter? Est-ce que c'est ton père, c'est ta soeur, c'est la société? C'est de ton pays, pourquoi tu le portes? Alors on a ouvert les portes à ce genre de discrimination, d'harcèlement. Les femmes le vivent de plus en plus dans les lieux de travail. 10 cas de refus de stage en enseignement. Et pourtant, les stagiaires ne sont pas touchés par cette loi. 15 enseignantes ont été forcées et contraintes à faire le choix d'enlever leur hijab et souffrent en silence, et de souffrir en silence, vu leur situation financière et leur précarité, pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de leur famille, dans plusieurs commissions scolaires à Montréal. Ces femmes-là se sentent humiliées, rabaissées, réduites à leur tenue vestimentaire. Des agressions verbales dans les lieux publics ont augmenté de 200%. On a dénombré et recensé 100 cas à l'organisme. Des dizaines de cas d'agressions physiques dans le but d'arracher le voile, dont plusieurs en transport en commun. Je vous dis que la majorité de ces cas, 99,9% de ces cas, n'ont pas, ont refusé catégoriquement de porter plainte en prononçant toutes les mêmes phrases, la même phrase. Le gouvernement est en train de légitimiser la discrimination. Nous n'avons plus confiance dans le système. Merci.